abidjanbuzz.com. Vécu par la jeunesse ivoirienne et porte des messages tantôt satiriques, tantôt politiques, ou bien plus souvent délivre des conseils sur la vie. La philosophie est basée sur la culture de l'amour, de l'amitié, de la fraternité et prône l'idéal de la justice et de la paix. Le Zouglou est également connu sous le nom de Woyo lorsqu'il est pratiqué en acoustique. L'année 1990 est un point de repère central pour comprendre l'histoire du Zouglou. À cette époque, le milieu estudiantin joue un rôle essentiel dans l'évolution du Zouglou. Les artistes Zouglou de l'époque n'étaient pas forcément des professionnels et n'avaient pas une réelle vision musicale, mais l'impact que le Zouglou aura eu sur le pays reste grand et mémorable. L'année 1999 marque le début du succès planétaire du Zouglou, notamment grâce au groupe Magic System. abidjanbuzz.com. Papa, merci. Oh, la cour honorée, la tocuspino. Oh, 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 oh.